Nous sommes sur la dernière phase du chantier de la Via Rhôna que pilote le département. Département qui a réalisé toute la phase déjà entre la Palue et l'île d'Oiselet à Sorgues et qui maintenant termine cette partie un peu plus sensible d'ailleurs en termes techniques, puisqu'il y a derrière nous cette passerelle longue de 200 mètres de long qui va permettre de relier l'île d'Oiselet à l'île de la Motte. C'est un ouvrage technique assez complexe, comme vous pouvez le voir, avec 4 mâts de 22 mètres qui ont été posés de part et d'autre. Petit à petit, va se mettre en place cette passerelle qui permettra donc de relier ces deux îles. Ça s'inscrit dans un schéma de réalisation d'ouvrages de grande qualité et très particulier, puisqu'il y aura également à venir la réhabilitation du pont des Armeniers sur l'île d'Oiselet. Et j'imagine que toutes celles et tous ceux qui emprunteront la Via Rhôna auront plaisir à découvrir aussi ces ouvrages d'art, que ce soit celui pour lequel nous sommes ici et que ce soit celui du pont des Armeniers plus ancien mais qui sera restauré demain.